dans la vallée des rois, reposent les pharaons du Nouvel Empire. On y a découvert 64 tombes, les 18e, 19e et 20e dynasties. Ces tombes sont désignées par le sigle KV pour King's Valley et par leur numéro chronologique de découverte. Le ticket d'entrée donne droit à la visite de 3 tombes. Nous allons visiter maintenant celle de Ramsès III. Ramsès III est le fils et successeur de Setnart, premier souverain de la 20e dynastie. On ne sait presque rien de Setnart. Il n'a régné que 2 ans. Ramsès III devient pharaon vers l'âge de 30 ans et gouverne de 1185 à 1154. Il a une nombreuse descendance, peut-être 30 ou 40 enfants. Ses successeurs, de Ramsès IV à Ramsès XI, sont soit ses fils, soit ses petits-fils. Sous son règne, les temples d'Égypte disposent de richesses considérables. À eux tous, ils possèdent plus de 107 000 serviteurs, 2% de la population. Les circonstances de sa mort ont longtemps été controversées. Mort naturelle ou assassinat? On a eu la réponse en 2012, grâce à l'avancée technologique du scanner. Bien que proche de sa mort, car très malade, le roi a été égorgé. Probablement victime d'un coup d'état orchestré par sa seconde épouse Tilly. La tombe KV3 préparée pour lui ayant été abandonnée, on l'enterra dans la KV11. La KV11 est à peu près au centre de la vallée des rois, orientée nord-sud. Avec ses 188 mètres de long, c'est un des plus grands tombeaux de la nécropole. À l'origine, elle est destinée à Setnart, le père de notre Ramsès. Les travaux sont abandonnés au niveau du troisième corridor quand on s'aperçoit qu'ils empiètent sur le tombeau d'Amenmès. Ils seront repris plus tard pour en faire la sépulture de Ramsès III. Elle fut longtemps connue sous les noms de tombe des harpistes ou tombe de Bruce, du nom de l'explorateur écossais qui la visita en 1768. Dans cette vidéo, nous visiterons les 2 premiers corridors. Nous nous arrêterons à l'entrée du 3e, là où commence réellement le royaume des morts. C'est par cette porte que le roi défunt va entrer et qu'il va en ressortir ressuscité pour commencer sa vie éternelle. La représentation du linteau au-dessus de la grille évoque le soleil couchant et le soleil renaissant, auquel le pharaon va s'assimiler au cours de sa traversée du monde souterrain. L'escalier qui mène à l'entrée est dominé par 4 piliers à tête de vache ou de taureau, mais il ne représente pas à tort comme on pourrait sans doute le penser. Passé l'entrée, on se trouve dans un long corridor, divisé en plusieurs parties par des chambranles et des linteaux sans porte. Le roi est accueilli par 2 représentations de Maat, déesse personnifiant les concepts sur lesquels reposent les institutions de l'Égypte ancienne. L'ordre, l'équilibre universel, la vérité, l'équité et la justice. Maat reconnaît ainsi le souverain comme ayant respecté ce principe de droiture sur la haute et basse Égypte tout au long de sa vie terrestre. Elle est reconnaissable à la plume qu'elle porte sur la tête. Immédiatement après, c'est au tour de Réhoracti d'accueillir le pharaon, portant sur la tête la couronne MM. Ce premier tronçon est décoré des habituelles représentations des génies et démons du monde inférieur et du texte des litanies de Ré. Voici la vignette qui introduit ces litanies. Comme au-dessus de l'entrée, on voit le soleil sous sa forme nocturne, l'homme à tête de bélier, et sous sa forme matinale, le scarabée Khepri. Évocation du voyage complet de l'astre le jour et la nuit. Un crocodile et un serpent, créatures des milieux obscurs des eaux et de la terre, semblent s'en éloigner, repoussés par la lumière.
ce livre de prières à Ré montre les 74 formes divines qui englobent toutes les manifestations du soleil. Deux petites pièces, une de chaque côté du couloir, offrent un décor unique dans la vallée des rois. Dans celle de gauche, on voit travailler des boulangers, des bouchers, des cuisiniers. En face, une évocation du pèlerinage à Abydos que tout Égyptien devait avoir fait, de son vivant ou après sa mort. Je vais entrer dans le deuxième corridor. Sur le linteau, le soleil aux ailes déployées étend sa protection et sa domination sur le monde. Le couloir est bordé de chaque côté par quatre petites pièces, au décor également original dans la vallée des rois. Bien sûr, plus de 3000 ans ont passé, et sans le décryptage des égyptologues, il serait difficile d'interpréter ce qu'on voit. Ces peintures représentent les divinités agricoles, en particulier Renénoutet, la déesse cobra qui protège les récoltes et veille sur les greniers. De l'autre côté du couloir figurent des représentations d'enseignes divines et d'armes entassées, des bâtons de jet, des arcs, des boucliers. Il faut savoir que tous les objets représentés sur les murs étaient effectivement présents dans la tombe. Ici, ce sont des processions de génies de la fécondité, notamment ceux personnifiant les principales villes et provinces d'Égypte. Ils portent des tables d'offrandes lourdement chargées. Cette pièce est décorée de mobiliers et produits de luxe, destinés à la survie éternelle du roi. On y voit de nombreux récipients, certains de style mycénien, et des amphores pour stocker de l'huile ou du vin. Ces taureaux et vaches sacrées font référence au Livre des Morts, chapitre 148. Les rames sont nommées les rames directrices du ciel. Ici sont représentés les champs des roseaux, en référence au chapitre 110 du Livre des Morts. C'est le paradis où les champs sont labourés, semés et récoltés en abondance. C'est cette salle qui a donné son nom d'origine à la tombe des harpistes. On voit les musiciens, ou plutôt on les devine, jouant de leur instrument devant les dieux Chou, Atum, Réorakti et Onouris. Nous approchons du royaume des morts, puisque la dernière salle nous montre quatre représentations d'Osiris. Au bout du couloir apparaissent des illustrations du chapitre 151 du Livre des Morts. Anubis, dieu de la momification et maître des nécropoles, est accompagné des déesses sœurs Nephthys et Isis. Ils ont pour mission d'assurer la renaissance et la protection du roi, assimilé à Osiris, le dieu mort. Le deuxième corridor se termine par ce chambranle, décoré de symboles protecteurs qui garantissent au roi la vie éternelle.
Nous arrivons à l'endroit où les architectes ont dû interrompre les travaux et déporter le couloir sur la droite. Cette pièce transversale n'était donc pas prévue à l'origine. On l'a décorée pour Ramsès III de plusieurs scènes d'offrandes à diverses divinités. Nous nous arrêtons là, car ici commence le voyage au royaume des morts. Si vous me suivez, nous le ferons ensemble dans la deuxième partie de la visite.